congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le général d'armée Tio Essongessa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023, en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général des FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées. Sa mission de contrôle physique des effectifs des militaires de forces armées, la République démocratique du Congo, dans la deuxième zone de défense, après Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, est arrivé le vendredi 3 novembre à Kalemi par l'aéroport national de Kayinga à bord de l'avion de la compagnie aérienne CAA. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le général de brigade Patrick Mbayo, le contre-amiral Bakole Nyongezulik, le général de brigade Dunia Kashindi Fabien, respectivement inspecteur du corps logistique à l'inspectorat général des FARDC, commandant du 22e groupement naval et commandant place Kalimi, commandant de la 22e brigade des réactions rapides et de l'opération Ousalama et leurs membres d'état-major. Aussitôt arrivé, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo menait plusieurs activités. Il est allé présenter ses civilités à la première autorité politico-administrative de la province de Tanganyika, Madame la gouverneure Jili Ngwangu Moyuma. Il a tenu une réunion de travail avec tous les officiers de la garnison de Kalemi, du 22e groupement naval et de la 22e brigade de réaction rapide dans la salle de réunion de l'état-major du 22e groupement naval. Ici, il leur a signifié l'objet de cette mission de contrôle physique des militaires. Il les a exhortés au patriotisme, à la conscience professionnelle, à l'apolitisme de l'armée et à l'esprit de corps. Il leur a demandé de bannir la pratique des antivaleurs telles le tribalisme, les sentiments négatifs, la haine, la jalousie et la diffamation. Et il a prôné l'esprit de corps. À l'état-major du 22e brigade de réaction rapide, il a suivi religieusement un point de situation sécuritaire et opérationnelle lui présenté par le commandant de la 22e brigade de réaction rapide, le général de brigade Dunia Kashindi Fabien, et a promis d'en faire rapport à la hiérarchie pour des solutions appropriées. La mission continue. À
sa descente d'avion à l'aéroport international de la Loano, le lieutenant-général Sikambwe Asinda a été accueilli par le commandant adjoint de la 2e de défense en charge des opérations, le général-major Pinto, qui était aux côtés du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddy Kapen Irund, qu'accompagnaient ses adjoints, à savoir le général de brigade Mwakumboloko Daniel et le général Ngoi Mbuya Jacques, respectivement en charge des opérations et renseignements, ainsi que celui de l'administration et la logistique. Le chef d'état-major de forces terrestres est dans une mission de travail dans le Katanga, où il a présenté le nouveau commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Eddy Kapen, au gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Civilité oblige. Il est venu présenter le nouveau commandant 22e région militaire, à la personne du général de brigade Eddy Kapen. À matinée de ce jeudi, le lieutenant général Sikambwe Asindafal a présidé une réunion de coordination à l'état-major de la 22e région militaire. Il a pu suivre quelques explications aux côtés de ses compagnons d'armes. Les stagiaires de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont successivement effectué du 22 au 27 octobre 2023 des visites pédagogiques à la force terrestre, à la force aérienne, à la force navale et à l'université de Kinshasa. Dans les états-majors des forces, les stagiaires ont suivi des exposés qui ont essentiellement porté sur l'organisation, le fonctionnement et les missions assignées à chaque structure visitée. Après les différents exposés, un jeu de questions et réponses a clôturé la visite. À l'université de Kinshasa, par contre, une matinée scientifique a été organisée à l'intention des stagiaires et des étudiants sous les thèmes défense et sécurité de la République démocratique du Congo dans la géopolitique sous-régionale, régionale et internationale dans la salle Monekoso. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour enrichir le sujet. À l'issue des différentes interventions, le général-major Mouland Nawez Godefroid, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, a remercié le recteur de l'UNIKIN pour l'accueil chaleureux et pour le partenariat signé entre l'UNIKIN et l'école de guerre. À cette occasion, il a annoncé l'ouverture des Masters 2 l'année prochaine pour les officiers qui remplissent les conditions. Étudiants et étudiants, je tiens personnellement à dire merci. Monsieur le recteur, je ne cesserai jamais de vous remercier pour l'accompagnement et je sais l'engagement de votre part pour la matérialisation de la vision du commandant suprême et président de la République. Vous savez, depuis qu'on a signé notre partenariat, nous avons conjugué les efforts afin que cela soit réel. Et ma hiérarchie m'a chargé de réitérer ses voeux. Nous voudrions que, si pas cette année, l'année prochaine, que l'université de Kinshasa puisse ouvrir solennellement cette filière dans le domaine de défense et de sécurité. Ma hiérarchie, le commandant général des écoles militaires, m'a dit qu'il était disponible pour que les étudiants civils puissent étudier avec nos officiers dans nos infrastructures partout là où vous voudriez. Je profite de cette matinée scientifique pour réitérer mon vœu, monsieur le recteur, afin que nous puissions plaider chacun en ce qui le concerne auprès de sa hiérarchie ministérielle pour l'aboutissement de ces projets et qui sera bénéfique et rentable. Non pas seulement pour l'université de Kinshasa, mais pour toute la République démocratique du Congo et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Dans ce monde de circonstances, le professeur Kaye Mentumba, Jean-Marie, recteur de l'UNIKIN, a indiqué que le projet Master 2 des officiers sera opérationnel l'année 2023-2024. Il a également demandé aux jeunes étudiants d'intégrer en masse l'armée après leurs études. C'était avant de déclarer close la matinée scientifique. Celle d'organiser les grandes matinées scientifiques qui permettent à l'université d'aborder, d'analyser, de partager des questions d'actualité au niveau de notre pays. Faisant suite au partenariat qui nous lie à l'école de guerre de Kinshasa,
Nous avons invité cette dernière à venir partager avec nous de manière totalement scientifique et surtout échanger avec nous dans le domaine de ce qui est permis, échanger avec nous sur les grandes questions sécuritaires. C'est pour cela que l'université se retrouve totalement dans son élément. Le secrétaire général académique ayant renchéri pour dire « Pour la patrie, nous sommes prêts à mourir ». Mon général, je peux vous dire, du côté de l'université, il y a eu plus que des avancées. Et je voudrais engager notre institution pour vous dire qu'à la rentrée académique 2023-2024, ce Master 2 verra réellement jour. Il en a encore été question. Une visite guidée a successivement conduit les joueurs au home des étudiants nouvellement réhabilités, au complexe sportif de l'Unikin et au laboratoire de la faculté des polytechniques. Six apprenants, dont 10 militaires et 56 civils, ont reçu le vendredi 20 octobre 2023 leurs attestations de participation de formation en informatique au Centre supérieur militaire. La formation a porté sur la bureautique et le réseau. La cérémonie de remise des attestations a été présidée par le général de brigade Ilunga Dior Diédoné, chef d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires. Dans son mot de circonstance, le major José Balonga, secrétaire général du groupement des écoles supérieures militaires et un des responsables du centre de formation et recyclage en informatique, a remercié l'assistance tout en souhaitant que les connaissances acquises en informatique puissent accompagner le récipiendaire dans toute leur carrière. Prenant la parole, le sergent Mayele Pouati Dieu Merci, l'un des apprenants et chef de la promotion, a exprimé sa gratitude à ceux qui ont rendu possible leur formation en informatique, notamment le corps professoral. Il a également remercié l'honorable Tunda Kasongo Lukali Prosper pour avoir accepté de parrainer la 14e promotion qui a porté son nom. S'adressant à ses fiels, l'honorable Tunda Kasongo Lukali Prosper a exhorté ces derniers à mettre en pratique la matière apprise partout où ils seront. Il les a enfin félicités pour leur réussite. C'est de féliciter les jeunes qui viennent de terminer cette formation et que nous allons toujours continuer comme parrain. Si vous avez des difficultés, vous allez toujours recourir à moi et nous allons toujours vous soutenir pour que vous puissiez être une promotion, parce que l'honorable Prosper Tunda, c'est un homme du changement, c'est un homme du développement. Donc nous sommes là pour soutenir le jeune qui veut émerger pour que le pays aille de l'avant. Comme je disais, que la vision, c'est de faire un Congo fort, prospère et uni. Je dis et je vous remercie. Arrêt avant du droit, une descente au bureau de l'état-major de la 14e région militaire située sur l'avenue des forces armées à Kinshasa-Gombe a été ordonnée le jeudi 26 octobre 2023 par la haute cour militaire. Celle-ci a eu pour objet de reconstituer les faits de la cause auditeur général ministère public contre le général-major Ilondo Elfondo Igo, ancien commandant de cette unité et consort, poursuivi pour détournement d'un véhicule militaire de marque CAS. Le lieutenant-colonel Mayombo Marcel, directeur intérimaire de la logistique à la 14e région militaire, a été auditionné comme renseignant et pour confirmer l'authenticité de la feuille de route par laquelle ce matériel roulant a transporté les marchandises d'un directeur civil sur l'axe Kinshasa-Kamba-Kinzaou au Congo central. Conduit par le prévenu en fuite, l'adjudant Mboula Saïdi, ce véhicule a connu un accident mortel le 4 mai 2022 à la hauteur du village Fuma-Fuma, où 6 personnes sont mortes sur le champ. Le renseignant, alors directeur adjoint, reconnaît avoir été informé
informe de la survenance de l'accident du prévenu capitaine Mouyé Mali, chef de bureau maintenance à l'époque. Il a indiqué qu'il était envoyé par le général Ilondo auprès de son titulaire, le prévenu colonel Kimpembi, pour signer un document attestant que le véhicule accidenté était sorti de l'unité pour le rodage. Faux, a rétorqué le prévenu général-major Ilondo, jamais envoyé à la prison où se trouvait le colonel Kimpembi, a-t-il ajouté. Le ministère public a soutenu qu'il y a lieu de poursuivre par traduction directe le général Ilondo pour tentative de subornation des témoins. Dans le cadre de change d'expérience militaire entre les autorités de l'état de siège dans la province de l'Ituri et les commandants de la 3e zone de défense, une réunion présidée par le gouverneur de cette province, Excellence Luboya Kanchamajoni, lieutenant général, a eu lieu ce 31 octobre 2023, de 11h à 13h30 locales, dans la salle des cellules de coordination des opérations Ituri. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, a participé à cette réunion aux côtés du gouverneur de province, avec qui il a partagé son expérience de l'art militaire. Notez que les deux autorités ont plusieurs choses en commun, collègues au CHESD, respectivement commandant 1e et 3e zone de défense, et curieusement avec une même année de naissance, acquaintances qui ont permis une ambiance de travail assidue face aux commandants de grandes unités de la garnison de l'Ituri. Au sortir de la réunion, le gouverneur de la province de l'Ituri s'est livré à la presse pour donner la quintessence du contenu de cette rencontre. Comme vous le savez, nous avons accueilli le commandant 3e zone, le lieutenant général et que donc, ce commandement qui est ponctuel, parce que c'est bien limité dans le temps, il faut qu'à tout moment nous ayons des échanges avec le vrai commandant. Parce que le vrai commandant, en fait, c'est le commandant de zone de défense. Même si nous nous sommes là, il fallait qu'on ait des échanges. Voilà pourquoi est-ce qu'il est venu nous visiter. Parce que le jour où nous allons faire le handover, la remise et reprise, il faudrait qu'il ne s'étonne pas de ce qui s'est passé ici. Donc il doit toujours venir à la source, parler avec nous, échanger avec nous. Et même aussi avoir des conseils. Voilà, nous donner, s'il a des conseils, voilà, comme ça nous pouvons évoluer. Voilà la raison d'être de cette grande réunion où nous avons réuni ensemble avec lui les commandants zone, le commandant région et même le commandant 31e brigade. Dans les après-midi, les commandants de la 3e zone de défense étaient conviés par le gouverneur à participer à la réunion de comité de sécurité provinciale en vue d'avoir une idée sur l'état des lieux politiques de sa province. C'est vers 16h30 que les deux autorités se sont séparées après une prise de photos de famille avec le membre de ce comité de sécurité provinciale. Nilikuwa mtoto mdogo na siwezi wakisoda kisha wakinikuwa nikamata wakiniwewa mkazi yao. Mimi nilionaka na tuko naenda kwa vita, wengine wako na kufa na bunduki hakuna masasi, nikiona na siwezi kufa na ningali mdogo nikitoka vile. Juu tuliwatoka kawale Wanyarwanda, alisemaka se walikuwa nasema se tukifika Ruwaya na Goma watakamata ile mali yote na iwewe Kagame siye tuwakie vile. Ase tukeona genzi tuko M23, genzi tuko watumwa yavo, njo tuketoka vile. Tulikamataka zile masiraha za FARDC, zilikuwa nazia na zile machuma za ndani za kupiga malisasi, saba natutia mbele wale Wanyarwanda wanaona genzi tuko napiga wanatucheka. Mimi nataka genzi niko mtoto, nirudie kwetu, siku hadui watamutosha kwetu, niende kunikali na jamaa yangu, nichunge ngombe zetu. Moi j'étais berger des vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces là où j'étais à Moucha et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo,
les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés ou enterrés au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec des bons salaires. En lieu et place de nous donner des salaires, parce que nous avons tatisé dans le chef. Pourquoi nous avons tatisé, tulikuwa tunabaanimia lakini kufatana na vita ginsi lijiderule tukaona hawana nguvu kitumaini kwao kikakatika cho tukabatoka. Mimi ninataka FRDC ni integre ili nigombanie nchi yangu na niokoe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est qu'un mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Les prévôtés militaires de la garnison de Kinshasa ont effectué le vendredi 8 septembre 2023 la marche d'endurance sous la conduite du colonel diplômé d'état-major Motete Kemutunda Dim, commandant bataillon de cette unité. Vêtus tous en nouvelle tenue, de 5h à 10h, la marche a débuté sur l'avenue du haut commandement en passant par l'avenue de la liberté pour chuter au bataillon PEM situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Cette marche d'endurance a été organisée à l'occasion de la présentation des nouvelles insignes pour distinguer désormais les militaires PEM du bataillon de la 14e région militaire aux Arapi qui sont dans les autres unités des forces armées de la République démocratique du Congo. À la fin de cette marche, le commandant bataillon PEM s'est exprimé à notre micro. Et aujourd'hui, si nous avons fait un petit carnaval, c'était un petit carnaval de routine, justement pour faire voir que la police militaire est là, la police militaire veut travailler, la police militaire veut exercer dans ses missions régaliennes. Il y a beaucoup de confusion à ce qui concerne la tenue des prévôtés militaires, la PEM que nous sommes. Nous avons aussi des PEM qui sont dans les QG des unités. Et ces PEM-là peuvent rester dans le QG. Ils ne peuvent pas être au-delà des QG. Nous sommes en train d'exercer notre travail de routine, celui de traquer les éléments irréguliers, celui d'appuyer la police militaire, celui d'imposer la discipline. Toutes sortes de marques extérieures de la tenue, nous sommes là pour régulariser.